You with a penny. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Dragon Quest Odyssey du Roi Maudit. Donc je reviens deux petites secondes. Me voilà, c'est bon. On peut y aller. Donc Dragon Quest Odyssey du Roi Maudit que j'ai réussi à retrouver sur PlayStation 2. Pour un prix vraiment très très bas. Bon, la boîte du CD, enfin j'ai pas la boîte originale, mais bon, je remercie celui qui me l'a vendu, donc je vais pas faire un achat de gage uniquement pour ça, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, donc on est parti. Donc j'étais dans la cascade sud du village du début, donc je suis pas très loin dans l'aventure. J'ai visité un petit donjon, on pourra se le faire en vidéo. Voilà. Donc ça fera un petit peu une vidéo de plus dans la semaine. Je m'excuse de faire des vidéos. Ah oui! Non, je m'excuse, non. C'est pas ça que je voulais dire. Les vidéos que je fais sur la PS3, si elles sont le 4/3, c'est normal. C'est le boîtier qui capture comme ça. Et si j'étends, si je m'en 16/9 la vidéo, malheureusement il y aura des bandes sur la vidéo. Et ce sera vraiment très moche à regarder. C'est pour ça que je laisse en 4/3. Pour le jeu PS2, j'essaie de le mettre en 16/9. Sinon, c'est en 4/3. Voilà pour la petite explication. Putain, ils sont en train de bourriner quoi. Bon, c'est pas vidéo présentation, donc je vais pas trop vous en parler de ce jeu. J'ai déjà fini sur mon ancien PlayStation 2, donc ça date pas trop. Donc je vous ferai une vidéo présentation dès que je l'aurai fini, je pense, ou j'en ferai pas, je ne sais pas. Donc la glu un peu. Bon, j'ai pris pas mal cher sur mon perso, enfin j'utilise une herbe médicinale. Attendez, je vais juste augmenter le son du micro parce que j'ai l'impression qu'on m'entend mais très peu. Vous m'excuserez. Voilà. Ah ouais, là. La différence. Bon. Eh bien, on continue. Attendez, je vais d'abord aller dans mon inventaire pour utiliser une herbe médicinale pour me restaurer ma vie. Ah, heureusement que j'ai réussi à en trouver dans le village où on est avant. Hop, et on continue. Enfin, c'est pas une somme. On va pas dire un grand donjon à mes souvenirs. Ouais, bon, je me suis dit pourquoi pas leur faire une vidéo comme ça. Ça fera deux vidéos dans la semaine. Bon, je voulais aussi vous dire que vendredi il y aura une vidéo sur GTA 5 qui durera 1 heure. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Une vidéo détente sur GTA 5, donc vendredi. Et dans la semaine, peut-être d'autres vidéos. Enfin, si j'en ai envie, du Minecraft, je voulais faire au début, mais ça c'est si j'en ai vraiment envie. Hein, voilà, on verra bien. Ok, il y a quelqu'un ici. Bonjour. Je suis venu admirer la cascade et je suis tombé sur cette caverne. Une caverne sous une cascade, c'est tellement intriguant. J'essaie de l'explorer, mais j'ai fini par me perdre. Ouais. Moi, je vais pas me perdre, mon ami, contrairement à toi. Ok, des vampivoles et une patataupe. Une patataupe. Ok, donc j'ai pas encore le boomerang, donc je peux pas attaquer tous les ennemis en même temps, malheureusement. Donc je sens que ce combat va être rude. Bon, vous voyez, c'est un système de combat, on va dire, un petit peu tour par tour. Hein. Moi, j'aime bien. Je sais pas, ça change. J'aime bien, voilà. Bon, vous voyez que je prends quand même pas mal de dégâts, donc je trouve quelque chose pour éviter justement de me prendre autant parce que j'ai pas de sort ni rien quoi. Pas d'aptitude, pas de sort. Donc, on reste 12 points de vie en plus. Et je sais pas si c'est notre perso aussi. Voilà, Yangus lui prend rien, lui. Si jamais notre perso meurt, je sais pas si l'autre continue de se battre. L'attention sert à augmenter les dégâts qu'ils peuvent faire. Moi aussi je peux l'augmenter si je veux. Regardez, attention. Attention. Ouf, esquive. Voilà, concentration, ça augmente de 5 au début, 20 et 50 je crois, un truc comme ça. J'ai pas vraiment essayé encore hein, sur ce jeu. Enfin sur cette sauvegarde. Alors normalement on va les attaquer, on devrait leur faire plus de dégâts. Bon, on en fait environ 6-7 en temps normal et là voilà, 11. Et sur Yangus, je pense qu'on va faire du 12. Voilà, la patope se concentre. Hein. Allez, 12. Ou 14 quand même. Ok, la patope est plus résistante que le reste. Voilà. Bon, pas voir les points de vie des ennemis. Sauf quand on les one-shot comme je l'ai fait tout à l'heure. Oui, je sais, tu m'as déjà dit. Oh, putain, j'appuie sur X sans faire exprès. Or, ce qui va être embêtant, on va dire, c'est qu'il faut que je me soigne régulièrement parce que mon héros. Oui, on a vraiment l'armure du début encore. J'aurais peut-être pu en acheter une autre. J'ai pas fait gaffe. Donc, je sens que ça va être un petit peu quand même hardcore leur histoire. Ou peut-être que j'en aurai une dans ce coffre.
C'est un petit peu de la chance, hein, mais faut toujours y croire. Une aile de chimère et... Ah, ça, c'est pas pour s'en aller d'un donjon, ça. Bon, évidemment, là-bas, les deux coffres, il y en a un piégé, je suis sûr. J'en suis sûr, hein. Je sens bien. Il y aura un coffre piégé dans les deux. Ouais, l'autre a piégé. Même pas. Ah ben j'ai rien dit. Je parle un peu trop vite. J'ai rien dit. Excusez-moi. J'aurais pensé parce que deux coffres côte à côte, je peux vous dire que c'est un petit peu bizarre leur truc. Ok, j'ai eu un casque de cuir que j'ai déjà. Je sais pas si je peux le mettre sur mon perso. Voilà, l'aile de chimère. Vous pouvez vous envoler instantanément vers une sélection. On peut l'utiliser qu'une fois. Est-ce que je peux le mettre sur mon perso? Je peux. Bah bien sûr qu'on va l'équiper tout de suite. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre... Regardez. Transférer. On va le retransférer ici, tac. Voilà, on permute les deux. On va transférer le foulard que j'ai dans le sac. Voilà. Et normalement, j'aurai un peu plus de défense, donc je devrais un petit peu plus résister aux attaques des ennemis. Donc, la carte, comment on voit ça? Select. Non. Ben, peut-être qu'il y a des onglets en fait dans le truc. Non, je vais pas. Je vais me barrer. Merci. Voilà. Donc rond. Est-ce que j'ai une carte? Ouais, magie, hiver. Ah, j'ai peut-être pas de carte en fait. Évidemment, il y a des stats. Hein, vous voyez, épée, lance. C'est plus on s'en sert, mieux c'est. Enfin. Bon. Mais je sais pas comment on voit la carte. Attendez, peut-être. Non. Ah, voilà, carré, ok. Donc, ok, il y a un passage. Tout droit, hein. C'est assez linéaire sur cette grotte, j'avoue. Les autres, je me rappelle pas si c'était comme ça, mais. Attendez, carré. Ouais, c'est à droite. Hein. On sait jamais. Qu'un coffre. Ouais, donc je pense pas. Mais... On sait jamais. Alors, combattre, attaque, j'attaque le vampire, vol, et hop, le gluant. Le gluant, je le one-shot, il a aucune vie. Non, je le one-shot à chaque fois, je l'attaquais, même au début. Regarde. Bon, 7-7, ouais. Combien il a de vie, à mon avis? Ouais, 13. Je pense pas qu'il est 13. Enfin, je sais pas. Ok, level up en plus, c'est pas beau, ça. Yangus niveau 3. Ouf. Ok. Ok, un petit level up de Yangus, ça fait toujours plaisir, un petit level up, hein, dans ce genre de jeu. C'est un RPG, hein. Développé par, je ne saurais pas vous le dire, vu que la boîte, c'est pas là officielle. Je me suis pas trop renseigné, hein, je me suis dit, putain, on arrive dans la cascade, je la fais en vidéo, allez. J'ai lancé la capture, et c'est tout, je me suis pas pris la tête à regarder autour, voilà. Ok, on peut soit aller tout droit, soit descendre, ou remonter, attendez. On peut descendre, mais je pense que je vais aller tout droit. Parce que je pense pas qu'ils soient à l'étage tout le temps de bas. Oh, des foufoulés. Oh, ils sont chiants, eux, je crois. Bon, bah, on va se les taper quand même, mais je crois qu'ils sont un petit peu chiants, eux. Hein. Ils peuvent attaquer. Ah, ouais. Pour qu'ils tapent du 4 à Yangus, qui a une... Ah, ok, ouais. On va fuir parce qu'on est mort sous. Ah, ouais, les foufoulés. C'est pas des rigolos. Fuir. J'ai une intimidé, on pourra pas. Ah, ouais, on est mort, hein. PMD. Oh yes! Ah, ils ont plus de points de magie! Oh bah c'est bon, on peut les attaquer là! Ok, bah ça va, c'est easy! Oh, je pensais qu'ils pourraient l'utiliser à la chaîne! Oh, c'est parfait! Ce qui se passe là, c'est parfait, voyez-vous! Bon, c'est un peu de la chance, mais. Ok, on va attaquer différemment. Ok, d'accord, ils peuvent utiliser qu'un sans flamme, bon, ça devrait passer. Ah, au début, je pensais que vous pouviez bourriner comme ça tout le temps. Je me suis dit, waouh, on va crever, hein! Ouais, ça va, sinon on que du 2 ou du 1, ça va, ça passe. Ah, dès qu'ils ont commencé à attaquer avec du 4 sur les angus, je me suis dit, what the fuck. Allez, on attaque tous les deux dessus, normalement ça devrait finir. T'as plus de PM, t'as plus de points de magie, mon ami. Voilà, t'es mort. Donc, je sais pas quand je vous posterai cette vidéo, hein. Quand je la tourne, on est samedi. Donc, vous avez eu un rétro gesh. Je pense que vous la postez mardi. Je sais pas. On verra bien. Oh putain, je prends un sort de soin. Oh, c'est pas mal ça. J'ai pris le premier secours sur mon perso.
Ok, donc on va utiliser une arme médicinale sur mon perso et on utilisera un sort de magie sur Yongus. Est-ce que ça restaure 30? Restaure au moins 30 PV dans sa... Oh, c'est bon ça. Ok, ça commence très très bien là. Ok, on a eu un sort de soin. À gauche, y a rien. On va continuer toujours tout droit. Ouais, ok, là c'est l'intersection. J'ai le choix d'aller tout droit ou d'aller plus loin à droite. Je sais pas en fait. Y a quelque chose là-bas, non, la porte. Je pense qu'il y a un truc. Ouais. Ouais, il y a quelque chose là-bas. Ok, des pataupes. Au combattre, on va utiliser un sort de premier soin. Ah, d'accord, ok. Dans le cul. Bon, mais Yangus, hein. Putain, si je meurs avec Yangus, j'aurai le seul. Putain, je prends 3 aussi. Ah ouais, je pensais que j'aurais pu soigner. J'ai pas fait gaffe à mes points de magie. Ça sent le roussi, là. Ah ouais, je l'ai... Oh, je l'ai tué même pas en deux coups. Oh, c'est bon, j'ai perdu. Hein. Je préfère dire... Ah, il doit lui rester un point de vie à celui à gauche. C'est pas top ce qui se passe là. Ça me fait moins rire là. Oh, ce qu'il lui a mis, eh. Oh, bah c'est bon, ça passe. Putain, ce qu'il lui a mis. Il est arrivé coup critique, pouf. C'était genre ta gueule. T'as pas le droit de te concentrer. C'est bon, ça passe à l'aise. Boum. Dans ta gueule. C'est bon, la taupe là. Hein. Elle a failli me tuer. Hein. Failli. Voilà. Oh, ils sont hardcore ces ennemis. Oh. Ok, 16 XP, 20 pièces d'or. Je vais me soigner au cas où qu'on soit attaqué. Oh, j'ai plus que 2 herbes, merde. Bon bah alors là je vais vous expliquer, c'est soit on y arrive sans utiliser d'herbe, on perd pas trop de vie, soit bah, on est mort simplement. Il y aurait pas un coffre dans le coin? Oh, ça me paraît bizarre. Mais... Oh, c'est un ennemi ça. Tiens, tiens, tu dois être très courageux pour venir me parler comme ça, un homme ressemblant à un marchand. Il est venu il y a peu mais quand même à vue, il a détalé sans dire un mot. Tu vas devoir te battre si tu veux aller plus loin. Tu es courageux, tu dois être un combattant hors pair. Ok, je sens récompense de savoir où je vais te laisser passer. Ah ouais. Ok, le mec, on se tape. Ah, j'ai peur, passe. Ouais, je crois qu'il va falloir aller tout droit. On sera au bout d'une genre de... Comment vous expliquer? On sera au bout d'une falaise un peu. On sera au bout d'une plateforme. Et l'ennemi sera là. Déjà, il y a un gluant. Oh, il y a un gluant. Merde. Oh putain, pas eux. Oh, je crois qu'ils peuvent nous rendre. Oh là là. Si je fuis. Ouh, la chance. Viens par là, toi. Il y a le boss au fond de ce passage, j'en suis sûr. C'est un souvenir que j'ai. Ça se trouve, c'est pas ça. Hein. Mais je crois que c'est là qu'il y a un... Ouais. Ouais, ouais, je le sens bien, là, ouais. Faudrait pas que je me fasse aggro, en fait. Ouais, c'est bon, ça passe. Là, on va être au bout d'une plateforme où il y aura de l'eau en bas et on aura un genre de petite... de boss. On aura un boss, là. Non! C'est un vieux coffre tout pourri! Ah, c'est... Oh, il y a une nouvelle épée. Ça, c'est... Non! J'en étais sûr, et... Oh, j'étais presque... J'étais presque en train de... Limite en train de vous dire, oui, je suis sûr et certain de ça. Oh, je me suis fait niquer, là, merde. Oh ben. Ouf. Ah ouais, elle est mieux cette épée, hein. Ouh. Un peu, mon neveu. Je passe de 19 à 23, il est fou. 24, 24, excusez-moi. Regardez normalement. Hop. Ouais, on a changé de fourreau en plus, c'est bien ça. Chaque épée, on change de fourreau. Oh, ça me plaît beaucoup, ça. Ça me plaît énormément. Bon, je me rappelle pas de l'épée que j'avais avant, mais elle devait taper dans les 200 minimum. C'était pas une épée de cuivre ou autre. Comment une équipe. Une équipe. Une épée de fou furieux là. Un pot d'œil quoi.
Ouais, bah Yorngus c'est un gros, de toute façon il a pas d'agilité lui. Pouf, tiens. Ah ouais, ça tape déjà mieux avec l'épée que j'ai. Qu'est-ce qui... C'est quoi son truc? Alors ceux qui ont compris, ce monstre c'est Magikarp dans Pokémon, c'est pareil, il sert à rien. Bon. Alors aussi dans la vidéo de GTA, j'espère que ça ne fera pas sur celle-là, j'ai dû baisser le son parce que sinon vous aurez entendu un sifflement énervant. Enfin, pas, comment vous expliquer. Il y avait un bruit de fond mais un sifflement, mais ça pétait les oreilles. C'était abusé, donc j'ai dû baisser le son, vous m'entendrez très peu, je m'en excuse. Je préfère vous prévenir dans cette vidéo. Oh, j'ai pas envie de me les taper parce qu'ils vont m'enlever beaucoup de vie. Bon, fuir. Putain, on a de la chance, eh. Oh, ouais, deux fois d'affilée. Ouais, parce que, pourquoi je combats pas? Parce que les patopes, ils font beaucoup de dégâts, comme vous avez pu le voir. Ils sont chiants. Donc bon, on va éviter de prendre des dégâts pour rien, même si je pourrais les tuer en deux coups, là, vu que j'ai une nouvelle épée, mais... Mais bon. C'est qu'elle bosse juste après. Fuir. Bon, bon, on est obligé de se les faire. En plus, je vais me prendre, voilà, la flamme direct, hop. Ah ouais, je pensais qu'il ferait tout le temps ça, j'ai eu peur, surtout. Ok, à deux sur le même, ça devrait passer. Normalement, ils ont plus de points de magie, là, donc ça ira. Et après on aura le boss. Il me semble. C'est des souvenirs assez vagues que j'ai. Ça devait être dès la sortie du jeu, je l'ai eu, je l'avais terminé, putain, en plus de deux semaines, je crois. Parce qu'il est assez long, hein. Faut pas croire. Enfin, comme tous les RPG, on peut y passer une centaine d'heures, quoi. En plus j'aime bien la musique dans les combats, la musique quand on se balade, enfin plein de choses. Hop. Ah ouais, je l'ai vu sur le bon coin et tout. Le mec il vendait à 10€ au début. J'ai réussi à négocier à 5, j'étais content. Même qu'il n'y a pas la boîte, moi je lui ai dit. Moi je joue au jeu, je joue pas à la boîte. Hein. Donc bon, merci à lui, hein, franchement. Yorngus passe niveau 4, ok. Ouf. 3 points de compétence. Ah ok, alors. Yorngus. C'est quoi humanité? Ouais. Non, je sais, on va faire comme j'avais fait avant. Voilà, on répartit comme ça, un à chaque. C'est ce que je faisais avant. Ok, le boss est là normalement, c'est la fin du truc là. Il me semble. Cascade, ne pas... Voilà, c'est la cascade, et là il y aura le boss. Et je crois qu'il est pas mal en plus ce boss, il est pas... Enfin, il est pas mal dans son... Voilà, il est au fond. On le voit pas encore, mais... Il est au fond de... Quand on sera au fond de ça, normalement... Ouais, voilà, il y aura le boss. Franchement, niveau design, je me rappelle pas trop, mais je crois qu'il est quand même assez imposant. Aïe. Vous voyez quand on fuit et que ça fait ça, ça donne un tour à l'adversaire, on prend cher. Oh, ça me fait richer qu'on meurt. Oh, si on meurt là... J'ai même plus d'armes médicinales. Là, on y va avec 7 points de vie et 30 points de vie. Pas utiliser premier secours. Ça c'est guéri. Oh là là. Autant vous dire que ça va être chaud. En plus on va se faire agresser avant là-bas, je pense. Oh, ce serait beau si on pouvait pas se faire agresser. Au moment où je le dis. Hein. Oh, si jamais j'arrive pas à fuir, je suis mort. Hein. Oh, c'te shot. C'te shot comme je. C'te chance. Ah voilà, il y a le boulot au fond, on va appuyer dessus, il y aura un monstre qui va apparaître. Et je crois qu'il a dans les 90 points de vie. Oui, dans les 90... Non, entre 70 et 90. On se fait agresser juste avant par feu follet. Donc tu vas pas faire chier, on se casse. Merci. Ouais, entre 70 et 90 points de vie, je crois qu'il a le boss. Voilà, on va attraper. Et la petite cinématique, il me semble, et le boss est assez imposant quand même. Il est deux fois plus grand que nous. Et franchement, il est pas mal. Ah mais non, c'est pas celui que je pensais en fait. J'ai rien dit. Tu es devant Geyser, je suis le maître de la cascade. Oh, que le temps fut long, il y a eu tant d'allées et venues. Voilà plus de 10 ans que j'attends, 10 ans, tout ce temps à attendre la bonne personne, enfin pas si bonne que ça. À présent, c'est le moment de vérité. Est-ce que cette boule de cristal t'appartient? Enfin, nous voilà face à face. Espèce d'humain dégénéré, je vais te donner une leçon, Minus. Ok, je traduis, hein, parce qu'il inverse toutes les lettres. Ok, donc ça, c'est un boss à 70 points de vie des brouettes, je crois.
Je sais pas si on peut le voir, mais il me semble. Je peux pas le voir. Donc ce qu'on va faire, on va attaquer avec Angus, on va charger attention. Brouillard maudit. Oh merde. Ok, ça empêche. Oh putain, 10. Pas mal. Ouf. Bon ben, on va attaquer, on n'a pas le choix. Oh. Oh, je le sens pas. Oh, je le sens pas du tout. Allez, attaque, s'il te plaît. Non. Je suis mort. Oh. Ah ouais, d'accord, ok. C'est quoi ce boss? Non. Putain, fais chier. Oh non, ouais, ça. Oh putain, non. Oh non, je reprends d'où? Oh non, j'ai perdu la moitié de mes pièces d'or en plus. Non. Mais non, on me dit pas que je... Eh, s'ils me foutent en dehors, c'était vraiment des... Mais non! Mais ils abusent! Regardez où ils m'ont foutu, eh! Ils m'ont foutu dans le village avant la cascade! Oh, les sacs! Voilà, j'ai perdu la moitié de mes pièces d'or. Mais non, mais ils ont abusé, là-haut. Oh non, putain, fais chier. Mais je veux pas... Putain, non, mais... Oh. Bon... Voilà, quand on perd sur un boss, on revient carrément au dernier point de sauvegarde. Il nous reste nos items encore heureux. Imaginez le mec qui sauvegarde pas pendant 2 heures. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas si j'arrête la capture ou je continue. Parce que là, je suis dégoûté. Je ne veux pas être loin en plus, il a même pas dans les 100 PV. Hein. Je vais lui taper quand même plus de la moitié. Quoi. Bon. Au début, moi, je voulais acheter, moi, la PQ, je voulais acheter un boomerang pour mon perso, mais 420. Ouais, oh, ça fait cher. Oh putain, je suis dégoûté. Ouais, vas-y, je te vends tout, voir combien j'aurai. Après, je vais en l'épée parce que j'aimerais bien avoir le boomerang. Ça passera beaucoup mieux, vous d'ailleurs. Bon, je pense pas que j'aurai assez, hein, mais... Moi j'aurais que 200 avec l'épée 275, un truc comme ça. Non, mais je. Putain. Oh, c'est mal foutu quand même. Ah ouais, j'aurais que 335. Putain, j'aurais eu assez si j'avais pas. Si j'étais pas mal. Bon. Oh, je suis. Eh, franchement, là je suis mais dégoûté, quoi. Je suis dégoûté. Je pensais pas, hein. Franchement, il tape. Vous avez combien il tape aussi? Bon. Et ben voilà quoi, je continue, mais je sais pas si je le laisserai au montage parce que bon, après ça va faire une vidéo peut-être un petit peu longue. Oh putain. Ouais. Tous retapés. Ouais, bon ben vous savez quoi, on va aller. Bon, je sais pas. C'est pas me donner des herbes ou des trucs comme ça, ce truc. Oh, et si on n'a pas de chance aussi, hein, je peux rien. Hein. Bon, ben voilà, vous avez quand même un aperçu de Dragon Quest. Hein. C'est pas non plus easy. Hein. C'est pas tu cours, tu tues tout le monde. Hein. Excusez-moi. Ah ouais, putain, je suis dégoûté. Pour le coup. En plus, on respawn même pas devant. Hein. Faut tous retaper le chemin parce qu'il y a quand même du chemin à faire. Y'a pas quelque chose là qui peut donner quelque chose. Bon, qu'est-ce que tu entends, toi? Ouais, bon. A mon avis, c'est qu'on s'est peut-être trop précipité. Vous savez quoi? Ben, on va continuer la vidéo. Hein. On va pas s'arrêter là. J'ai 3 jours pour faire le montage et tout. Enfin, j'essaierai de la poster plus tôt. Je pense que ça passera, et puis voilà, quoi. Ça fera une vidéo un peu longue, mais bon, si vous aimez bien, bah, tant mieux. Bon, je suis un peu chimor, ça fout quand même mal, vous dites, continue, histoire de dire, pour pas se ridiculiser, mais... Je sais pas, je continue, parce que j'en ai envie aussi.
début je voulais faire un live sur ce jeu, mais bon, j'essaie avec Twitch ou autre, ben j'y arrive pas. Trop dur d'utilisation pour moi, c'est même pas en français donc quoi. Mais bon, là je sais pas combien de temps va durer cette vidéo en fait. On s'arrêtera quand on aura, quand on aura fini la cascade, c'est-à-dire pas d'abord. Ce qu'il faudrait en fait, c'est qu'on trouve un coffre avec une épée ou un truc comme ça dedans qu'on puisse revendre. Parce que dès que j'ai le boomerang, ça passera mais plus facilement. Vu que le boomerang peut attaquer deux monstres en même temps ou plus, je crois. C'est quoi ça? Un panneau? Ok, un lapis de corne, des gluants. Bon, bon, les gluants ça va être rapide, mais le lapin, je sais pas. En plus, je trouve qu'on était bien parti au début, j'y ai cru. Hein, je me suis dit, putain, ouais. Il tape pas trop s'il fait qu'en sorcellement et l'autre. Non, non. Il a aussi un sort qui attaque en zone crame. Qui nous a fait la fin. Ça aurait tué mes deux persos donc bon. Hop. Donc bon, on va quand même essayer de, on va dire, de pas se terminer sur un échec. Hein. Combien de temps? 1 giga, 25 minutes, ça va. Ok, level up en plus, ça c'est bon ça. On va pouvoir mettre des capacités. Enfin des compétences plutôt. Anti-poison, 2 points de compétence. Donc nous on va mettre épée et boomerang pour l'instant. Moi je mets toujours un point un peu partout, même si avec Yangish il y en a 3, c'est plus pratique. Ah, c'est une barrière. Autre côté, bon, c'est un CPS2 hein, les mecs. C'est pas Wii U ou autre, c'est pas Super HD 1080 1000p, enfin, c'est pas 100 000p quoi. Alors, ok, un pipé radio. Peut-être que je vous ferai d'autres vidéos sur ce jeu. Je pense en faire parce que bon, j'aime bien. En plus, comme je vous ai dit, je lance Virtual Dub, Audacity, et je capture direct. J'ai pas besoin de passer par des branchements interminables. Donc, bon. En plus, ça me fait plaisir de vous faire des vidéos de ce jeu. Voilà, quoi, j'ai réussi à le récup. Donc pourquoi pas, plus tard, quand je serai un petit peu plus haut niveau ou d'autres donjons, faire des vidéos. Un petit peu de défi, entre parenthèses. Mais bon, je pense pas faire une playlist avec une vidéo défi. Je sais pas, peut-être que je le ferai, peut-être pas. Ah ouais, faut des clés, putain, j'avais oublié. Pardon pour l'expression, mais j'avais oublié ça. Alors elle coûte 420, donc faudrait. L'épée coûte combien? Elle coûte 135, je crois. Je peux pas le voir là. Merde. Je crois qu'il coûte 135, donc. Ouais. Faudrait 300 pièces d'or à tout péter. Pour pouvoir la revendre, acheter le boomerang après. Voilà, parce que là, si j'avais le boomerang, les deux ils seraient morts. Enfin, je pourrais les attaquer en même temps. Donc, mais... C'est un peu chier. Mais... Altération. 1. Je crois qu'il a level up Yangus. Non, il a même pas level up Yangus. Pourquoi il a récupéré sa vie là, deux... Ah, il a peut-être perdu que 1 dans l'autre combat en fait. J'ai pas bien vu. J'arrive pas à parler, ça m'énerve. Hein. D'habitude, je trouve que j'arrive à parler assez bien. Et là, je sais pas ce qu'il y a, j'arrive pas à parler. Bon. C'est quoi ça? Un cheval? Ah ouais. Putain, je te parle. Hein. Ah, il cligne des yeux quand même. C'est une statue, mais ça cligne. Parce que vous voyez, la cascade, elle est où? Est-ce qu'on peut la voir d'ici? Je suis perdu? Non, là, c'est le village où il y a la fumée. Ouais, la cascade, elle est là-bas, quoi. Où il y a les cailloux, je crois. La caillou. Bon, des gluants. Un petit coup d'esti en même temps. Tiens, je vais jouer en buvant. C'est très courant. Voilà. Bon, Yangus a l'air un peu plus agile que mon perso. Vu qu'il arrive à taper plus vite. Ou je sais pas comment ça se passe pour attaquer avant l'autre. Bon, moi, je level up. Je gagne un peu d'or. C'est pas mal. Hop, en ce moment, cette vidéo, si vous voyez qu'elle... Ouais, mais là, je vous le dis un peu tard, en fait. Bon, ben, prenez allez chercher un paquet de chips, les mecs, hein. Là, on est parti pour une heure, là. Et encore, je suis gentil, ça se trouve, ça fera deux. Ouais, des petites vidéos défis comme ça, de temps en temps, sur des vers jeux. Faire des donjons, faire tel truc. Ouais, je pense que ça pourrait être pas mal, tiens. Défi. Bon, là, c'est pas vraiment un défi, c'est... Je voulais juste faire la cascade avec vous, mais... Un petit défi que je me lance, quoi, de faire ça en vidéo. Voilà. Pipe radio.
Bon, évidemment, je peux pas trop commenter les combats, hein, parce que voilà, c'est pas... J'attaque, t'attaques, tu me tues, je te tue, enfin voilà quoi, c'est... C'est quand même assez basique, bon j'aime bien, ça, ça... En plus, niveau... pas texture, enfin si... Niveau personnage, monstre, attaque, comment les chiffres... Enfin les nombres de dégâts qu'on leur fait sont encadrés et tout, c'est un petit effet, on va dire BD. Entre BD et manga, donc moi j'aime beaucoup. C'est peut-être pour ça que j'aime bien Rogue Galaxy et tout, parce que c'est une patte graphique, voilà. C'est énorme. Oh putain, on est où là? Bonjour, je voudrais rentrer. Ah, on peut pas, hein. Ok, je me fais aggro par le garde ou quoi? Ah non. Des faunes. Des faunes et fleurs. Elle était bonne, ça, la tête. Ok, ils sont pourris. Oula. Il fait mal, lui. Avec sa corne. Tiens. Ouf. Évidemment, plus tard on aura des sorts, des aptitudes, plein de choses. Hein. Genre avec Kyangus, on pourra percer la défense d'un ennemi en l'attaquant avec une aptitude spéciale et tout. Donc voilà quoi. Putain, regarde, il avait dispo. Et il y a eu incendie, on pense qu'il est peut-être revenu. Ah, donc là c'est Lontonia en fait. Ok. On met Lontonia derrière ses portes. Voilà. Mais avec des chevaux là. Hein. Des chevaux, putain. Des chevals. Oh non, fallait que je sorte en vidéo ça. Ah, pas mal ce. Ah non, non, j'ai rien dit. Je crois que le point est mené. Y a pas un coffre par là, putain, mais ça m'intriguait. Vous voyez comment c'est pas mal parce que dans le jeu on peut vraiment se balader. Et le monde est grand. Hein. J'essaierai de vous montrer avec la carte tout à l'heure si je trouve. Vous allez voir, le monde est très grand. Il y aura même plus tard, on aura un... Je crois que c'est. Ouais, un sort ou un truc comme ça qui nous permettra de voler, on pourra explorer la map de haut, enfin je sais plus. Ou un bateau, j'en sais rien. Je sais plus, mais il y a un truc comme ça, on pourra se balader et tout, ce sera pas mal. Bon, évidemment, ça se trouve dans l'autre vidéo où je vous posterai, si je vous en poste d'autres de ce jeu. J'aurai Super HL, je watcherai tous les monstres, je galérerai pas. Ça se trouve, hein. Ou ça se trouve, je me ferai sodomiser, vous voyez. J'ai plus qu'un point de vie, 3 points de vie avec mon perso, plus qu'un, voilà. Alors, ah oui, une subtilité du gameplay que j'ai vraiment très apprécié dans... Oh putain, 20 XP. Alors, un point que j'ai trouvé très très bien. Bon là, je serai peut-être le seul à trouver bien, regardez. Bon, voilà. Alors, dans le menu, voilà, vous pouvez voir vos persos, évidemment, et tout. Vous allez dans magie, et là, vous pouvez utiliser les sorts directement dans le menu. Ça, j'ai trouvé ça vraiment énorme. Je me rappelle pas de beaucoup de jeux qui permettent ça. On peut utiliser nos sorts directement dans le menu ou au personnage. Ça, c'est vraiment pas mal. Et au niveau, ça servira énormément. Donc, bon. Donc, Lontonia, c'est le côté. Ah ouais, j'ai pas de carte du monde. Hein. On commence, on est vraiment un mec qui s'en va, mais qui a rien, tu vois. C'est limite, il a une épée, quoi. Ouh, je me fais agresser. On regarde aussi la capture, on sait jamais, ou c'est toujours bon. 33-13, 33-13, ouais, c'est... Ou des feux follets. Bon, déjà la bisbave, tu te casses. Je les one-shot, eh. Oh putain, eh. Le bisbave, quoi. Putain, mais pourquoi ils attaquent pas, eux, ils sont morts. Ah, ouh, 1. Attention, 5. Oh, oh, oh. Applaudissements. Il y a l'attaque. Ouf, et d'un. Critique. Oh. Bouille Angus, bouh. Par contre, je sais pas du tout combien il y a de niveaux dans le jeu. Ouf. Tellement fort que je subis rien. Bon, tu meurs, saleté. Voilà. Bon, franchement, j'aime bien. J'aime. Allez. Après Rogue Galaxy, ce jeu, c'est mon RPG préféré. Voilà. Puis j'ai eu la chance de trouver vraiment une PlayStation pas chère, le jeu pas cher. 5€ le jeu. Franchement. Vous regardez sur internet, bon là j'ai pas la boîte ni rien, mais. Enfin si j'ai une boîte, mais j'ai pas la boîte originelle quoi. Et vous regardez sur internet, le jeu il vaut quand même 60€ 9 je crois. Donc 5€, voilà, moi je veux le jeu, hein, je m'en fous de. Voilà. Après je me débrouillerai pour faire une jaquette potable et tout, mais. Enfin je piquerai la jaquette sur un site, je l'imprimerai et je mettrai dans la boîte, vous voyez. C'est pas grave ça, j'ai juste la notice en moi. Mais... Moi j'ai acheté pour jouer, hein, c'est pas pour collectionner. Hein. Ma petite pile de jeu et puis ça me va très bien. Qu'est-ce qu'il veut là au moins? Ouf. Zou.
Là où Gosha sont vaincus. Hop. Bien quand il regarde son épée et tout, franchement. Ce jeu, il est très 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 bon. Voilà. Si vous avez une PS2, que vous voulez un RPG, achetez ce... Achetez Dragon Quest, l'Odyssée du Roi Maudit. Vous allez sur le bon coin, vous allez dans votre cache à côté de chez vous, un truc comme ça. Et puis je suis perdu. Et puis voilà, vous, non, mais, vous l'achetez, parce que c'est un bon jeu. Enfin, je vous force pas, hein. Je vois déjà des commentaires, oui, si on n'a pas envie. Si vous cherchez un bon RPG, vous pourrez aller sur Dragon Quest, hein, là, vous avez... Enfin, après, vous... ça se trouve, beaucoup de monde n'aime pas, hein. Je vais pas parler pour tout le monde, mais... Voilà, si cette vidéo vous plaît, allez chercher dans votre nouveau magasin dans le coin. Et voilà, si vous avez une PS2, bon, après ça revient cher d'acheter la PS2, le jeu. Danse sensuelle. Voyons, Gus, il a un cœur de pierre, lui. Puis il se fait bourriner par des chauves-souris. 10, hop. Bon, évidemment, plus tard, on aura d'autres personnages aussi. Enfin, ça, je vais pas vous spoiler, vous le verrez dans les autres vidéos à venir. Enfin, si j'en fais d'autres. Et je pense que j'en ferai d'autres. Oh non, putain, je danse. La 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 la. Tiens. Je danse plus. Je vais attaquer. Alors, donc. Hop, Yongus, t'attaques mieux. Ouais, c'est bon, attaque, c'est bon. Moins 4, ouais. Oh, je l'ai pas eu. Oh, il lui a resté 2 points de vie, lui, même pas. Oh, le gros esquivé. Putain, il subit rien. Voilà. Zou. Je pense que ça va bien XP, ça. Il va faire dans ce qui. Ah oui, Angus, il danse, maintenant. On y croit tous, hein. Des petites animations comme ça, ça me fait... J'aime bien, j'aime bien. C'est quoi ce rire? Ouf, je prends cher. Toi tu dégages et toi aussi, tiens. Oh, il doit lui rester un point de vie. Voilà. Comme ça. Écrasé. Level 5. Aïe aïe. Mec, il commente tout ce qui se passe, eh. Ouais, flèche du bas. Bon, j'arrête. Dites pourquoi il met pas tout en boomerang vu qu'il en a acheté un peu, je sais pas. Oh Yongus, tu as aussi toi. Je préfère Yongus, non pas pour son design, mais parce qu'il a 3 points de compétence. Lui. Vous voyez, vous faites tac, 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 et voilà. Vous en mettez un partout à chaque fois. Enfin bref, donc on a combien de pièces d'or là? 304, mais on a notre boomerang les mecs. Faut juste retrouver le village. Oui bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais... Hein. Putain, je me suis perdu. Mmh. Ah ouais. Y a pas de la fumée dans le ciel, non? Ah, c'est par là. Putain, mais on pourrait vraiment se perdre, hein, sans... Regardez, on a pas de carte en plus. Bon, on va faire le tour, bien sûr. Et bien sûr, faut faire un tour de 3 km. Un gluten bulle, la gluant. Qui va me tuer. Pardon. Non, il aura pas eu le temps, non. 5 points d'XP, tac. Zou. Bon, je sais pas si on a d'autres tenues dans le jeu. Je sais plein de choses du jeu, mais je vais pas vous le dire dans la vidéo, vous verrez dans les autres vidéos. Oh putain, j'ai fait un saut là. Je vais voir ça. Oula. Putain, j'ai sauté. Hein. Non, pas, parce qu'il n'y a pas de touche pour sauter, c'est pour ça là. Waouh. Bon, on l'a fumé, on l'a perdu, ça y est. Non, non, je pense à moi aussi. Ça va être dans le chemin tout droit là. Toi, tu dégages. Et toi, tu dégages, voilà. J'adore comme il range son épée, notre héros. Il n'y a pas de nom, hein, c'est notre héros, quoi. C'est nous qui le nommons. On peut pas le créer, pardon. On peut pas créer notre personnage vraiment, notre image ou des trucs comme ça, mais voilà, il est quand même pas mal. J'aime bien le design. Enfin, on peut pas trop zoomer, non. On peut se mettre en vue comme ça pour voir, mais on voit pas l'héros. On voit pas notre personnage plus que ça. Si on appuie sur Select, quoi, ouais, c'est pour savoir plein de choses. Mais bon, tais-toi.
Voilà quoi, j'aime bien le design, la petite sacoche devant. Un petit détail, le hamster, on le voit pas très bien, mais dans sa poche, je vous montre le côté là, enfin dans sa poche droite, il a un hamster. Voilà, droite pour lui, hein, pas, sinon c'est gauche pour que vous voyez. Il a un petit hamster qui sort, j'aime bien. C'est un détail, mais bon, j'aime bien, j'aime bien. Oula. Ouais, ça va, des chauves-souris, ça va pas être trop hard, sauf ça me tue. Tiens. Voilà, ça vous apprendra. J'ai plus que 2 points de vie. Pas mal. Excusez-moi pour le bruitage complètement bidon, hein. Vous pouvez dislike la vidéo. Je rigole, non, ne dislikez pas. Bon, on va dire des conneries, là. Et si on se soignait? Oui, bon, certains pourront dire que c'est un peu cheaté, machin, mais... Je sais pas, je trouve ça pas mal qu'ils aient mis ça comme ça. Allez, on peut y aller. Ouais, on est pas loin, c'est bon. Allez, mon gars. On peut pas courir, par contre, ça c'est dommage. Ça va, c'est un chemin ou un fleuve, ça? Je pense que c'est un chemin. Les vampires volent. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Moins 2. Moins 10. Ça calme tout de suite, là. Ah, cette vidéo, elle va durer 10 ans. Hop. Voilà. Il en reste un? Ah non, c'est bon. Ok, on est go. On est bon, plutôt. On est go. On est go! Alors, la porte est là-bas. On va couper, hein. On est des fous dans notre tête, nous. Je crois qu'on pourra même pas passer si on coupe comme ça. Si c'est bon. Enfin... C'est pas tout à fait bon vu qu'on s'est attaqué par une limace, une bulle et... Enfin une goutte d'eau et un chat. Mais... Et de 1 et 1. Miaou. Coup de langue. Et 2 et 3, 0. C'est plus facile que tout à l'heure déjà. Vous allez voir avec le boomerang. Oh, vous... Je pense que vous allez kiffer. Enfin, moi le premier. Allez go. Voilà, on rentre. J'ai pris un coup d'extite, alors je sais plus, mais je reprends un coup, là. Ah là là. C'est pas facile, hein, c'est moi qui vous le dis. Alors, bon, évidemment, sur la capture, c'est un petit peu plus sombre que dans le jeu. Parce que peut-être ma télé qui est comme ça, parce que je crois que c'est ma télé, en plus, qui fait un effet plus lumineux. Alors. Oh, énorme, oui. Ah, merde. Oh, on pourra pas le voir, là, c'est... Bah oui, le changement jour-nuit. Il vous montre quand le jour se lève, des trucs comme ça. Oh non! Oh, je sais pas. Remettez cette vidéo 5 secondes avant, là. Enfin, 5-10. Enfin, 10-15 maintenant. Le gars, je crois qu'il est en train de dormir. Et... Oh, c'était drôle, ça. C'est un petit détail, là, mais... Oh, ça, c'est pas mal. Bon, mon boomerang. Bon, moi, ce qui est bien, c'est qu'on est safe, là. On se fera pas agresser tout le temps. C'est déjà un bon point, j'ai envie de dire. Ok, l'armurier, là. Okay, hop. Plus tard, on aura des clés différentes pour ouvrir différents coffres. Je crois on aura même, à la fin du jeu, spoil peut-être, mais j'en suis pas sûr, une clé qui permettra d'ouvrir tous les coffres. C'est-à-dire, bah, même n'importe lequel. Enfin bref, chut. Non, je veux vendre d'abord. Ok. Je peux attaquer à main nue, là. Trop bien. Et là, le boomerang, il est plus. Ah si, c'est bon. 420 pièces dehors. Un peu mon dieu. Voilà. Et là, on a un boomerang, donc. Voilà. Bon, qu'on en a un dos. Et là, vous allez voir, ça va. Mais changer, mais beaucoup de choses. Hein. Là, les combats de 10 minutes, c'est fini. Hein. Je crois qu'il y avait une massue pour notre ami Angus. Pour 240, je sais plus. Il n'y a pas une armurerie dans le coin? En bas, peut-être, en bas. Allez, peut-être une herbe, allez. On y croit? Non. On y croit? Non. On y croit? Non. Bon. Alors, ce qu'on va faire, on va sauvegarder. Je crois que ça nous redonne toute notre vie en plus. Parce que bon, si on recrève comme tout à l'heure, j'ai pas envie. On va... Surtout que là, on n'a pas de banque, parce que plus tard, on pourra accéder à une banque pour mettre nos sous, pour éviter qu'on en perde tout le temps la moitié. Là, non. Non. Chut. Là, non, ta gueule, on n'a pas droit. Non. Alors. Je sauvegarde. Vous imaginez s'il faisait payer pour sauvegarder. Régression de la memory card PS2, bon là vous voyez bien que... Enfin je suis pas sur l'émulation, c'est ça que j'ai essayé de vous dire depuis le début. Putain j'avais pas sauvegardé. J'ai combien d'heures de jeu depuis?
J'ai joué combien de temps pour rire? Avec la musique là, le truc au piano. Ouf, 2h16. Ouais, 2h16, je suis à peine niveau 5, hein. Merci, papy. Alors, je crois que ça restaure nos points de vie et nos PM. Hein. D'accord, en fait, c'est des gros radins dans ce jeu. Ça restaure que dalle, faut aller à l'auberge si tu veux restaurer. Et en plus, l'auberge est payante, je crois. À moins que tu dormes chez quelqu'un, mais je pense pas que tu puisses. Surtout quand il fait jour, tu vois. C'est encore plus utile de dormir quand il fait jour. Alors. Oh, 45 minutes, on a toujours pas. Oh, c'est trop, c'est beau. Franchement, je devrais faire des records du monde du mec qui ne fait rien, tu vois. Il a un objectif, mais 10 ans à le faire. Ah ouais, la mort de tout à l'heure, putain, si on la refait là. J'arrête la vidéo, je vous le dis tout de suite. J'arrête de capturer si on recrève directement. Et aussi, je tiens juste à préciser quelque chose, je ne ferai pas de let's play de ce jeu. Voilà. Sans avant dire oui, après cette vidéo, il fera sûrement un let's play. Non, je n'en ferai pas. Tout simplement parce que, bon, let's play, ça demande des épisodes réguliers. Moi, j'ai pas envie de me forcer, voilà. Je préfère y jouer dans mon coin et vous faire des vidéos de temps en temps que vous faire des let's play. Voilà. Parce que moi, je prends mon temps partout, donc surtout dans ce genre de jeu, donc j'ai pas envie de vous ennuyer avec ça et puis je ferai pas de let's play. Voilà. Ouf. Effectivement, avec une armure de cuir, ça passe mieux, les enfants, ouais. Ah, je peux avoir un bouclier de cuir sur, sur mon perso, ouais. J'avais pas vu. Ouais, mais 15, ça fera un petit peu léger, je crois. En plus, ça coûte 70, non? Il manque un. Non, tu ne peux rien pour moi. Ouais, bon, on va laisser tomber. Allez, on... Non, tu peux rien pour moi. Oui, c'est ça, je reviens quand je veux. Quand t'auras baissé tes prix, hein, ça leur foire, va. Bon, il y en a porte nawak. Bon, ça c'est la porte est. Ouest, pardon. Bon. Ah, voilà, c'est. Je m'excuse si je parle n'importe comment, si je parle à la va-vite. C'est ça les vidéos sans préparation, on va dire. Parce que des fois je me prépare un petit peu. Voilà, je fais un petit peu des échauffements de voix. Bon, vous allez trouver ça con, mais je parle un petit peu tout seul ou j'ai l'habitude d'être un petit peu tout le temps sur Skype. Voilà, donc. Souhaitez-vous passer la nuit? 6 pièces d'or. Se reposer jusqu'au soir. Alors là, vous allez voir une technique de juif. Alors. Ouais, qu'est-ce qu'il veut lui? Ah ouais, ça c'est merde. Oh, ça va nous permettre d'assembler des choses, je sais plus quoi. Oh, je sais plus. Mais ça me dit quelque chose, son truc qui est en train de bricoler. Oh. Alors, est-ce que vous voulez voir une technique de. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ça va regarder un petit peu l'animation, tiens. Qu'est-ce qui... Ok, il fait plus rien. On va se rembourser des 6 pièces d'or, vous inquiétez pas. Ouais, voilà. On a payé 6 pièces d'or, hein. Ouf, une fiole d'eau sacrée. Non, je vais pas le rouvrir. On va prendre le bouclier. Non. Ah. Allez, ouvre-le ton placard, là. Voilà. On s'est remboursé, là. Hop, allez, on se rembourse, une note de chimère. Ça vaut 13, on s'est déjà remboursé des 6. Non, je ne sais pas dire. Voilà, bon, ça c'est des livres, ça sert pas trop. Voilà. Ok, le nôtre. Voici un conseil. Ne pas regarder dans les endroits les plus inattendus des coffres. Merci. Merci beaucoup pour cette information. Des coffres sont cachés partout, tu vois. Voilà, un bâton, vous voyez, on est remboursé. Non, mais. On est remboursé. Et si on n'est pas remboursé encore, ben, vous piochez là-dedans. Voilà, une herbe curative, 5. Voilà, une herbe médicinale. Vous voyez, on est remboursé assez vite dans ce jeu. Hein. Vous pouvez vous héberger, vous pouvez, voilà, dormir. En plus, ça restaure tout, regardez. Manger tout, voilà. Et gratuitement. Enfin, gratuitement, on paye 6, après on récupère 40, mais... Allez, hop. Maintenant, c'est pas fini, hein. Parce que le mec, on la fauche un petit peu, là, mais c'est pas fini, hein. Ça, c'est l'astuce de gros sac, ça. Vous allez derrière, et vous prenez cette porte. Bon, jusqu'à là, vous dites, ouais, et alors? On retourne dedans. Et à droite, voilà, un petit pochon. Vous grattez dedans. Et voilà, 3 pièces d'or. On a remboursé une moitié. Oh, non, non, j'arrête, c'est bon. Voilà, vous braquez les gens, quoi. Vous piquez tout et vous vous barrez. Bon, ça respawn pas, évidemment.
Attendez. Rond. Oh, je confonds toujours parce que sur Galaxy c'est triangle. Alors regardez, on a une fiole sacrée en plus. Empêche temporairement les monstres les plus faibles d'attaquer l'équipe. Voilà. Un vêtement simple. Un bâton qu'on va pouvoir revendre. Enfin, des trucs comme ça, vous voyez, c'est. Et là, on va pouvoir acheter notre armure normalement, je crois. Je vais pas acheter l'armure de cuir parce que ça fait cher. Prendre la tenue de voyageur. Et là, ça avance 10, 15 et là, voilà 5. Ça fait quand même 20, donc j'ai assez après. Hop, voilà, donc 15 de plus, 71. On va acheter la tenue de voyageur. On va l'équiper sur notre personnage directement. Et après, on va vendre celle qu'il avait déjà. Est-ce que je peux... non, non, je veux pas la vendre, je veux transférer. Non. Voilà, après, on peut la vendre 15 pièces d'or. Bon, c'est rien, mais bon. Voilà, c'est déjà ça. Bon, un mauvais point, hein. Un petit mauvais point, c'est que, regardez, attends, j'ai l'autre armure et ça ne change pas notre skin. J'aurais bien aimé ça. C'est la vie. Je vous ai dit, on a cette tenue tout le temps, il me semble. On va transférer sur notre perso, on va leur mettre dans la case vide. J'aime bien ranger mon inventaire un peu. Je m'excuse de parler, je fais pas exprès. Mec, je suis venu commenter, je parle pas. Bon, j'arrête, je fais n'importe quoi, je dis n'importe quoi. Alors, on a un boomerang. On a une autre tenue. Ça devrait mieux passer déjà. Hop. On sort et c'est parti. J'espère qu'il n'y aura pas de grisement sur la vidéo, sinon je serai obligé de baisser le son de ma voix. Voilà, 34 points de vie, 42 DPM. Donc je pourrais me soigner 6 fois. Enfin 2 divisé. Non, je pourrais me soigner. Attends. J'ai 14 ou 12. Ouais, j'ai 14. Sort coûteux. Je pourrais me soigner quand même 7 fois. Je pense que ça passe à l'aise. Voilà, regardez. Boomerang. 3 ennemis. Bon. Alors. Combattre, on va attaquer. Oh, je peux attaquer tout le monde. Attendez. Défense. Vous voyez, ça va plus vite. Oh putain, je croyais que c'était que 2. Oh putain, pas mal ce boomerang. Bon. Alors on va se diriger vers la cascade. Qui est... Oui, quand même, on voit assez loin. C'est la cascade là-bas au fond. Je sais pas si sur la capture on voit. Mais le petit trait blanc là-bas, enfin un petit peu bleu clair, blanc. C'est ça. Oh putain, c'est quoi ça? Ah, c'est un mouton, merde. Je crois que c'était une feuille au début. Voilà, des vampires volent. Voilà, on va laisser notre perso tout faire encore. Voilà, voilà, fini. C'est pas mal. C'est pas mal ce boomerang. Comment gagner des pièces d'or à l'infini? Vous restez dans cette zone et vous utilisez un boomerang. Voilà. Bon, après, faut être... Ah, il a respawn, mon mouton. Voilà, la cascade est droit devant. Et on s'y dirige pour se venger de ce geyser. Geyser. Mais il s'appelle Geyser, il est dans une cascade. C'est drôle quand même. Ou ça ne fait rire que moi, au choix. Voilà, des lampes. Oh, est-ce que je peux avoir les 4 par contre? C'est cheaté ce truc. Je peux avoir les 4, eh. Non. Ah, quand même. Ah, c'est pas mal. Oh putain, je peux avoir. Oh, si on peut en avoir, si on peut avoir tout le monde, cheat, eh. Bon, comme vous pouvez le voir, ça fait plus de dégâts celui tout à gauche que celui tout à droite. Hein. Ça se divise, quoi. Par exemple, si tu as pour moi une 12, ça fera 14, 10, 10, 7 comme là, quoi. Ou 8 à la fin, ça dépend. C'est pas mal. Ouh là, Geyser, t'as intérêt à t'en aller, là, parce que là, je vais te sodomiser. Là. Et après, on pourra enfin s'arrêter. Ça fait que 54 minutes. Ah, oh, c'est... Ah, les vidéos, c'est une aventure, hein. Comme a mis Dimitri dans sa chambre en phrase sur Skype, c'est une aventure, hein. Je sais pas s'il a dit ça comme ça, mais bon, c'est pas grave, hein. Si tu regardes cette vidéo, bah, tu mettras en commentaire, et si t'as pas envie, bah, tu le mets pas, hein. Voilà. Si quelqu'un regarde cette vidéo jusqu'au bout, hein, parce que je me fais pas de billes, hein. Y a pas beaucoup de monde qui le veut regarder entièrement, mais bon. En même temps, écouter un con sur un jeu, voilà quoi, où il se passe pas grand chose, hein. Enfin, il se passe quand même des choses, mais voilà, c'est pas de l'action tout le temps, quoi, c'est pas comme les jeux d'aujourd'hui, où il y a de l'action dès le début, on y prend du fun et tout. Tel quoi, faut que j'étais tout à l'heure. Voilà, parce que maintenant les jeux d'aujourd'hui ils sont faciles. On commence le jeu, on a déjà du fun, quoi. Alors que là, faut quand même, on va dire, apprendre à jouer. Enfin, pas apprendre à jouer, mais apprendre à... Enfin, faut... comment on dit déjà? Faut percer. Non, pas percer.
faut bien comprendre le système de combat, faut bien comprendre beaucoup de choses, faut bien se repérer. Genre voilà, au début on se dit putain mais c'est quoi ce jeu? Voilà, vous avez vu, je suis mort contre le premier boss, alors j'avais full vie et tout, vous dites waouh mais c'est quoi ça? Le mec il a attaqué 19 et tout, c'est moitié de ma vie. Mais au fur et à mesure on prend beaucoup de plaisir parce qu'on a des équipements qui vont arriver. On passe à gauche là. Alors il y a des équipements et tout qu'on va avoir de plus, enfin plein de choses, on va rencontrer des nouvelles personnes. Donc voilà, ça a changé pas mal de choses. Et puis au final, on y prendra beaucoup de plaisir, quoi. C'est un jeu où il faut quand même jouer, on va dire. Les 5 premières heures, on n'y prend pas beaucoup de plaisir. C'est qu'après, on va dire. Enfin, là, j'ai pris du plaisir parce que moi, je sais ce qui. Voilà, ça me remémore des souvenirs et tout. Mais le mec, il achète sans connaître, on va dire. Au début, il aura pas beaucoup de fun. Il se dira, putain, mais c'est dur, j'arrête pas de crever, j'ai plus d'herbes médicinales. Mais par la suite, quand vous aurez compris toutes les subtilités du gameplay, oh, mais c'est jouissif, franchement, c'est. C'est jouissif, hein. Vous pouvez crever si vous faites le con. Voilà, vous pouvez adopter une certaine technique. Enfin voilà quoi, c'est vraiment complet, hein. C'est vraiment un jeu. Il faut quand même passer un peu de temps au début pour bien y prendre son plaisir. Voilà quoi, c'est un bon jeu. Voilà. Bon, je sais pas si vous avez compris sur ce que j'ai dit, mais bon. C'est comme. Non, Rogue Galaxy, encore ça, parce que dès le début on y prend beaucoup de plaisir. Parce qu'au début on a direct une phase d'action, donc on se dit, waouh, ouais, c'est quoi ce jeu de fou? Donc voilà. Alors, ça va tuer les deux. Ouais, parfait. Vous voyez, là, j'ai un boomerang qui commence à prendre plus de plaisir que quand j'avais ma petite épée de merde. Voilà, c'est juste, voilà, vous changez d'équipement, vous dites, waouh, ouais, mais c'est quoi ce jeu? Il y a plein de choses, mais encore, vous n'avez pas tout vu. Vous n'avez pas tout vu. Voilà. Bon, moi non plus, parce que c'est un souvenir assez vague, on va dire, mais. Tac, tac. Non, c'était surtout pour vous montrer le premier, on va dire, donjon du jeu. Je pense pas tous voulaient faire parce que directement après, allez, une heure de jeu après, il y en aura un autre. Je crois. Enfin, bon, je sais pas tous voulaient faire parce que ça en ferait 46 vidéos. J'ai ça au pif. Hein. Donc bon, je sais pas. Je verrai bien, hein, je verrai bien. Je me force pas, si j'ai pas envie, je la fais pas. Si j'ai envie, je la fais. Là, j'avais envie, je l'ai fait. Par contre, eux, ils sont coriaces quand même. Sauf quand ils font. Pardon. Sauf quand ils font. Putain, j'y arrive pas. Hein. Sauf quand ils font ce sort. Voilà. Que leur sort déjà des accélérations, hein, c'est moyen. J'arrive pas à parler, c'est un truc de fou. Hein. J'essaie de parler, mais je bloque. Enfin, je trouve pas mes mots. Hein. Bon, ok, il y aura l'autre. Ah, il s'est déjà décalé. Bon, on a plus besoin de faire la phase. Est-ce que je peux aller dans. Ok, non, ça veut dire non, ça veut dire ta gueule. Hein. Alors, patataupe. Pataupe plutôt, pas patataupe. Hop. Vous voyez, ça fait 6 au dernier et 13 au premier, quoi. C'est boomerang, il est de moins en moins puissant, quoi. Il peut pas être la même puissance partout. Enfin, voilà, quoi. Ça, j'aime bien déjà. C'est un petit détail. Mais... faut pas dire c'est nul parce que ça tape moins, hein. Non, c'est mieux. Voilà. Et on a fini. Ah, oh, je kiffe, franchement. Ah, oh, ce jeu, je me rappelais pas. Je me rappelais pas trop quand je parlais avec des gens qui me demandaient c'est quoi un de tes jeux préférés. Je leur ai dit Rogue Galaxy. Après je leur ai dit Far Cry ou des trucs comme ça, mais je me rappelais pas du tout de ce Dragon Quest. Et franchement, je devrais refaire un classement. Parce qu'il est bon, hein. Franchement je mettrais bien en troisième position ou en deuxième. Je préfère autant jouer à ça qu'à un jeu de PS3 franchement. Enfin un jeu... Allez, je préfère jouer à ça qu'à GTA 5. Voilà. C'est pour vous dire quand même que voilà, c'est pas... C'est pas anodin comme choix. Ok, lui il attaque pour rien, il est content. Aïe Angus, faites-le. Merde. Feu follet. Gluant bulle. Ah oui, aussi, il y aura plein d'ennemis. Ah oui, je m'en rappelle. Après, il y aura des gluants bulles de ferraille, enfin de métal, où il faudra utiliser une technique particulière pour les tuer. Il y aura aussi des rois gluants, qui seront verts, généralement. Enfin, je me rappelle de plein de trucs, mais je sais pas quand ça se passe. Et ça expédie du 3000 des brouettes, je crois. C'était vraiment énorme. Enfin, je vais pas vous dire, mais oh là. Que des souvenirs qui reviennent, là, quand j'y joue, franchement. Oh, j'adore. Oh, vivement, quoi. On va niveau 6. Tac. Ça va mieux que le boomerang, quand même. L'évac. Ouais, j'ai un... Oh, 3 points de compétence, maintenant. Hop. Vous voyez, Yangus. Oh, putain, vous voyez, on a 3 points de compétence, maintenant. J'ai pas compris, mais... On aura 4 avec lui. Putain, 4, ouais. On a niveau 50. On a combien 100. Voilà. Pas mal, pas mal, pas mal là. Est-ce que j'ai combien de vie encore? Oh, ça devrait passer. Ça va passer à l'aise, regardez. Hop, on se soigne un petit coup là. C'est quoi, Evac?
Non! J'ai même plus besoin d'utiliser. Ouais, c'est pour sortir des donjons et tout, ça a le même effet que ça. Que les ailes de chimère. Oh, c'est trop bien ça! Oh, ça me fera économiser! Je pourrais limite les revendre des ailes de chimère parce que ça me sert à rien. Ah ouais! Par contre, quand j'aurai plus de PM, bon, ce sera toujours parti, je vais les garder quand même, mais voilà quoi. Ah ouais, c'est pas mal du tout ça, c'est pas mal du tout! Ok, il y a toujours le petit gluant qui saute. Qui nous a dit qu'il y avait rien au bout, donc là je vais le croire parce que j'ai été récupérer le coffre. Oh putain, c'est pas mal là. Pâte à taupe. Pâte à taupe, putain, mais pâte à taupe. Pourquoi je dis pâte à taupe? Oh, je sais pas. Là, ils se concentrent. Évidemment, là, ils sont pas trop coriaces, mais plus tard vous verrez. Déjà le geyser. Voilà. Les monstres seront 10 fois plus forts que ça après. Donc vous voyez un petit peu. Enfin, 10 fois plus forts, mais ils sont invincibles quoi. Enfin, pas invincibles, mais ils sont coriaces quoi. Invincible. Mais comment le tue, c'est invincible, il est idiot. Oh, on a passé l'heure. Non, je regarde, il faut la capture quand même, que ça frise pas, qu'il n'y a pas de décalage qui soit créé. Bon, mais une tutoire de vidéo, écoutez, hein, tant pis. Hein. Vous aurez une heure avec Dragon Quest, une heure avec GTA. La vie est belle. Là, franchement, je sais pas quand je les posterai, mais. Enfin, ça c'est la mardi, mais GTA vendredi, je sais quand je les poste, mais. Voilà quoi, ça fait long de vidéo quand même. Je sais pas si des gens la regardent entièrement, mais. S'ils la regardent entièrement, ben. Pas mal, GG à vous, hein. Vous avez du mérite, du courage. Vous avez la foi. Alors, feu follet, t'es mort. Moins 6. Moins 5, ça fait 11. J'essaie de compter, mais les points de vie, oh, je sais pas. Bon, j'ai bien geeké quand je sors en off. Déjà, là, j'ai geeké pas mal, vous avez vu une heure, quoi. Il faut foller. Bon, je sais que beaucoup de personnes n'auront pas le temps de regarder cette vidéo entièrement. Bah, tant pis. Hein. Moi, comme je vous l'ai dit, je l'ai fait d'abord pour moi et après pour vous. Dans le sens que moi, je passe tant de temps. Si vous voulez pas regarder entièrement, vous la regardez pas entièrement. Quoi. Je vais pas vous dire non, faut la regarder entièrement, les mecs. Non, moi, je vous dis, quand c'est des vidéos longues comme ça, prenez à boire ou à manger à côté ou les deux. Vous posez tranquille, voilà. Alors, vous voyez, là, ça habille. Les ennemis ne remarquent pas présent de l'équipe. On peut faire plus facilement. Voilà, c'était l'astuce de merde. Les mecs ils me voient pas alors que Yangus, le mec il est balèze quand même. 135 kg, 1m10, c'est une boule, et personne ne voit. Allez Geyser, j'arrive. On va se retaper le petit dialogue. Oh, je rigole parce que je sais que je me... Soit je me fais péter, soit je... Non mais... Bah oui, c'est soit l'un gagne, soit l'autre perd, hein, oui. Ah ah ah. Tu vas encore en découdre, hein? Tu vas être un peu sadomasochiste. Bon, mais on est reparti! On va peut-être mourir. Non, j'ai un sort de soin, ça devrait plus passer. Là. J'ai toujours pas d'attitude. Hein. Il va se faire violer. Voilà, ça va toucher Yangus. Parce que lui, il est con, lui. Oh putain. Pardon. Oh putain, il attaque quand même, il s'en fout, lui. Là vous allez voir, je vais pas galérer, je vais me prendre 20 dans la gueule. Là j'ai pas trop galéré, vous allez voir. Au moment où je dis ça, je meurs. C'est énorme. Non, pas Yangus. T'abuses Yangus, hein. Non mais, je vais crever. Non, me dis pas que je vais crever encore. Oh putain, non. Mais non, mais... Qu'est-ce qui... Bon, ben... Le mec, il te sort qu'avec le moment que tu seras easy. Oh. Mais non, mais c'est abusé. Oh putain, non. Bon, ben on est reparti. Elle va durer 2 heures cette vidéo. Ouais. Mais non, je m'en fous, je m'en fous. Putain, mais c'est énorme ce qui se passe. J'aurais en off, j'aurais gagné là, mais là je suis en vidéo, faut tout savoir. Bon, mais on est reparti. Eh ben. Sinon, je sais pas quoi vous dire, moi, à force. Hein. Bon. Eh ben, c'est pas mal. En fait, non mais, je perds à chaque fois la moitié hein, quand même, hein, d'or. Ça fait chier ça. Bon, bah on va recommencer, hein.
Non mais c'est abusé hein. Attends, il devait. Je suis sûr qu'il lui manquait qu'un coup en plus. Hein. Oh. Bon, on est reparti. Je suis au niveau 50 que j'aurais toujours pas tué le mec. Hein. Ah cette vidéo, elle est belle, tiens. Elle est collector celle-là les mecs. Hein. Collector. Y a rien dans les débris. Hein. Parce que le débris, hein, il y a une orbe. Quand on finit le jeu, il y a des orbes qui apparaissent un peu partout, il y en a une dans le tas. Là. Voilà. Pour ceux qui ont fini le jeu et qui savent pas où c'est, ou enfin. À mon avis, la plupart qui ont fini le jeu, soit ils ont plus le jeu, soit ils ont regardé sur les GVC pour trouver, mais. Voilà quoi. Je suis le premier à le dire, mais je suis le premier à l'avoir fait. Ah non, non, c'était sur les trucs de code de jeux vidéo avant. Non, non, c'était pas ça, je sais même plus où j'ai. Adam René, né. J'arrive pas à parler! Bon, vous savez quoi? Speedrun là! Le mec veut speedrunner sur un jeu où on ne peut pas courir. J'en ai marre de me taper des gluants. Il te rapporte que 4 XP. 2 points, 2 XP en plus. Même pas 4. 2. Bon, j'espère que vous aimez bien les vidéos de PS2 bien longues. Voilà. Si je passe 1 heure dans le premier donjon, je vais passer 6 heures dans le deuxième. Ça va être beau. Non, franchement, je sais pas ce qui se passe dans cette vidéo, mais il y a un truc qui tombe par rond. C'est pas possible que je galère autant pour faire un donjon du début. Parce qu'on est au tout début du jeu là. Oh putain. Bon, ça tue le premier au moins ouais. On va tous. Oh ouais mais c'est pas possible quoi. C'est pas possible que je galère comme ça. Je suis sûr que c'est pas. Non mais. Vous allez dire c'est une excuse. Mais quand on est en vidéo, il y a des trucs qui se passent qui devraient pas se passer quand on est en off. Hein. Je suis sûr que c'est. Le geyser s'est dit t'es là en vidéo, je vais faire qu'attaquer, tu vois. Or que d'habitude il pourrait lancer que brouillard ou un truc comme ça. C'est abusé. Bon. On est reparti. Troisième tentative. Eh ben purée. Sacrée vidéo défi, dis donc. Ah ouais, ça c'est de la vidéo défi, les mecs. Hein. La vidéo galère, je vais l'appeler, tiens. Je vais l'appeler cascade de merde. Non mais c'est abusé, quoi. Regarde-moi ça, je galère dans un truc comme ça, et oh. En plus, je me rappelle la première fois que j'ai joué au jeu, j'ai fait du premier coup. En un coup, je l'avais fait. Et là, je crève. Je sais pas. Je devrais mieux y arriver vu que je connais un petit peu. Non, non. Non, je calme. Bon. Et si on refaisait? Je sais que ça vous fait plaisir en plus. Hein. Bon. Bon, on est reparti. Allez. Ouais, des pataupes. Trop bien. Je les ai jamais vus, eh. Nouveau monstre là, non? Oh, je dis n'importe quoi, en plus c'est du freestyle ce vidéo, tiens. On a gagné! Ils sont pas si coriaces que ça. Hein. En vrai, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je coupe les parties avant, tu vois. Je vais mettre que la partie où je gagne, comme ça. Ils diront, waouh, la skill! Ce mec a recommencé 10 fois. Ouais, je vais tout couper au montage, moi, tu vois. Je vais vous mettre le try parfait, celui-là, vous allez voir, là on gagne. Hein. Là, si on perd, par contre, énerveux. C'est quoi ça? Ah, des nouveaux monstres, eh. Ouais, on les a jamais vus, par contre. Ouais, bon, ils tapent que dalle, quoi. Oui, des rouages-gorges qui ont une armure un petit peu supérieure aux autres monstres. Je dis ça, ils sont fait démonter, mais... Voilà, on a gagné 10 points d'XP. On sera niveau 10 avant d'arriver au boss, là. 10. D'accord, on n'est même pas sûr de gagner encore. C'est aberrant, c'est hallucinant plutôt, pas aberrant. Aberrant, oui. Si je sais pas jouer, hein, c'est ma faute. Hein. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a toujours pas de coffre, hein, non? On sait jamais, hein. Là, il y a l'autre qui danse, là, il est content. Putain, quand lui, il fait que ça à passer ici. Ça fait 10 fois que je vois. Tiens, zou. T'es mort. Ça t'apprendra à te foutre de ma gueule. Bon, on se fout pas de ma gueule, s'il te plaît. Hein. Tiens, mais je vais être niveau 10, je vous dis. À la fin du donjon, je suis niveau 10. Et encore, c'est même. Ça se trouve, je vais encore perdre. Ouais. Non, mais c'est abusé, ça. C'est abusé. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est abusé. C'est tout. Hein. Je suis sûr de commenter, vous êtes là. Enfin, pour ceux qui regardent jusqu'au bout, parce que vu la taille de la vidéo que ça va faire, personne ne regardera. Mais... Ou pas grand monde jusqu'au bout, mais.
Ils vont se dire, mais moi je l'ai fait du premier coup, j'étais niveau 2. Mais moi je suis niveau 6, j'y arrive pas. C'est pas ma faute, hein. C'est pas mon vouloir, mec. Écoutez, manque de skill. Avant j'y arrivais, maintenant. Ça, c'était avant, ouais. Ah, un pingouin. Je suis sûr qu'il y a des mecs niveau 2 qui ont réussi à le faire. Enfin, pas niveau 2, parce qu'on est niveau 2 avant d'y arriver, mais... Voilà, quoi. C'est hallucinant, sérieux. Ah, voilà, je vous montrais, regarde. Ah, on le voit pas, là, merde. On a un petit hamster dans sa poche. Je sais plus son nom, du reste. Voilà, notre perso. J'aime bien. Mais elle a pas de graphique. Bon. On va arrêter de parler des persos, hein, parce que depuis une heure, j'ai le temps de vous en parler des choses, hein. Je sais même plus ce que j'ai dit, tellement, hein. Mais à mon avis... Je vous en ai des trucs, hein. Ouais. Pour une vidéo qui devait durer à la base 20 minutes, je suis parti pour une heure. Enfin, j'ai dépassé, même. C'est aberrant, hein. C'est hallucinant, c'est tout ce que vous voulez. Alors, au début, je me suis dit, bon, j'en ai pour 20 minutes dans le donjon. Je vous ferai une vidéo courte. Et voilà. Non, non, une heure. C'est pas mal. J'aurais fait un record, je vous dis. Enfin, franchement, j'ai lancé la capture, je me suis dit, bon, ça va être un donjon court. Ça fera une vidéo de 15 minutes pour changer un petit peu. Et non, non, une heure. Une heure. C'est bon. Je suis sûr que vous avez jamais vu ça encore. Bon, on est reparti. Bon, je vous dis, si elle dépassait 2 heures, je pleute pas. Hein. Non, mais c'est hallucinant. Hein. Pour un donjon pourri. Parce qu'il faut le dire, hein, il est pourri. Hein. Elle me dit pas que le boss, il est invincible. Non, mais je galère dans ça. Regardez les monstres. Un vampivole et un feu follet. C'est ce qu'on voit depuis le début du jeu. J'étais niveau 2 dans le début du jeu. Ouais, c'est pas mal. Hein. J'espère que vous avez vu les vidéos comme ça où ça marche pas. Enfin, j'y arrive pas. Non, mais un pingouin, ça. Voilà, il m'attaque mon perso principal, celui que je voulais pas qu'il attaque. Eh ben, putain. Ça, c'est la vidéo, les mecs. Ça, c'est... Ça fait 10 fois que vous voyez le même endroit et tout... Allez, on continue. Pour moi, ça vous prouve que la PlayStation 2 marche. Ce jeu aussi, la manette marche bien. Voilà. Vous en foutez peut-être, mais moi, ça prouve. Voilà, on y est bientôt. Un corps. Moi, un corps se fait... Non, mais... Je sais même pas comment m'exprimer, là. Hein. Moi, bon, vaut mieux que je rigole, que je m'énerve. Hein, parce que si je m'énerve, j'aurais déjà lancé la manette, ouais. Non, quand même pas, mais... Maintenant, je rigole quand je crève. Parce que je me dis, mais putain, mais je sais pas jouer. Hein. C'est... Voilà, voilà. Bon, là, je peux rien faire, mais... Oh, je sais pas quoi dire, franchement. Cette vidéo, elle est pas mal, hein. Un record, là. Là, oui, il y a la Play Comedy Club, celle-là. On va évidemment y prendre pas de vidéo plus d'une heure, je pense. Quand même. Mais on sait jamais, hein. S'il y a des gens assez... pour faire un condensé. Des gens assez... Comment on a... des gens assez fous pour faire un condensé d'une vidéo comme ça, hein. Ben voilà, il envoie la PCC après. Là, c'est beau. Voilà. Alors évidemment, j'enverrai jamais de vidéo aux chaînes communautaires. Hein. Tiens, je le précise parce qu'on sait jamais. Hein. Ils vont dire, ouais, tu veux des abonnés et tout. Je fais pas de pub, j'en ai fait une fois, c'était pour le Let's Play sur One Piece Paratoire 2. Ou pour le début d'une chaîne qui date de 2 ans maintenant. Bon, je vais vous dire les gens. J'ai des abonnés, je préfère avoir des abonnés comme vous, bah, qui suivent régulièrement, que des abonnés. Ah oui, je me suis abonné, mais je sais pas pourquoi, tu vois. Je passe une fois par mois, voilà. Je regarde la moitié de tes vidéos, même pas. Et encore, quand elle dure 5 minutes, parce que sinon je regarde pas. Voilà, hein, moi j'ai des abonnés qui suivent, et bah, j'ai de la chance, hein. Bon, il y en a quelques-uns du lot qui se démarquent, vu qu'il y a souvent des commentaires et tout. Voilà, ils se reconnaîtront, hein, j'ai pas besoin de faire les pseudos. Genre Noctis, enfin Cloudstrife, hein, il a changé de pseudo, lui. Fais gaffe à toi, hein. J'étais plus sur Skype, on se perd de vue et tout, donc hein, fais gaffe. Voilà, je sais même plus pourquoi j'étais plus sur Skype. Hier, j'ai envoyé des messages. Eh ben, il m'a appris que c'était lui, Cloudstrike. Ben, j'étais là, what the fuck, hein, il est revenu, il est de retour. Nata, évidemment, hein, enfin, des gens, voilà, je sais plus les pseudos, moi, me demandez pas. Mais bon. Ah ouais, ouais, j'ai retrouvé Cloudstrike, les mecs. Voilà, je l'ai retrouvé. Je savais même pas que c'était lui, parce que Nocti, je me suis dit, what, c'est qui lui, un nouveau, ouais. Non, 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 c'était Cloudstrike. Ah là là, je vous jure. Il y a évidemment Dimitri dans ses chiottes, hein. Bon, lui... Dimitri... Oh non, mais s'il est... Bon, il regardera jamais la vidéo jusqu'à là, ça va.
J'espère. Parce que s'il entend ça, il va dire mais il parle de moi là. Il parle de moi ce mec. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il m'insulte? Évidemment, je rigole, il sait très bien. Tout ce que je dis en mes vidéos à propos de gens, c'est plus utilisé pour déconner la plupart du temps, c'est pas du sérieux. Hein. Sinon, je leur dis en face, hein, si j'ai quelque chose à leur dire, pas en vidéo. Hein. Allez, on est reparti! Tu me battras autant de fois que je... c'est moi qui te battrai, je veux dire. Ouais. J'ai même pas restauré ma vie. J'ai encore crevé? Non, bah, attends. On va la jouer mode gros ours. On va se calmer. On va la jouer tranquille. On va la jouer mais tranquillement. On va se concentrer. J'ai pas envie de refaire. Voilà. Il one shot. Ah, c'est nouveau ça. D'habitude top 19. Eh. Ah là 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 là, c'est... Non mais c'est pas possible ce qui se passe. Ouais, attention. Oh ouais, je perds trop de vie. M'attaque pas. J'ai pas envie de refaire, m'attaque pas. Oui, t'es gentil mon gars, merci. Ça je m'en fous ça, ouais. Non! M'attaque pas. Oh ça, oh c'est bon, c'est ma chance, attaque. Non, putain, mais je suis sûr qu'il restait une attaque à faire. Et on recommence, allez. Non mais, c'est pas possible. Il y a un problème quelque part là. C'est pas possible hein. Non, non. Attends, voilà, j'ai encore perdu la moitié de mes sous. Non, mais c'est bon, hey, oh. Faut pas prendre pour un con non plus hein. C'est pas possible, non. Je rêve là. Putain, j'avais des sous là. En plus, il perd bien. Il pique bien la moitié. Hein. C'était 1 million, tu perds 500 000, tu vois. Bon. Bon. La 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 la. J'ai rien à dire hein, sur ce qui se passe. J'ai rien à dire. Je peux. Voilà, je peux. Je sais pas. Non, mais c'est hallucinant, c'est tout. Je comprends pas, moi. Je sais pas. Je dois arriver, je dois penser à quelque chose d'autre, je dois pas être à fond dedans, je dois pas avoir de chance, je sais pas, il y a un truc. 3 essais, j'y arrive pas, je sais pas. Bon. Est-ce que tu peux m'acheter un truc à 120 pour avoir la masse de l'autre, le maillet géant là, parce que... Oui, j'ai eu le temps d'acheter tous les équipements du jeu là déjà. Non, c'est hallucinant, c'est hallucinant. 55, donc il manque beaucoup quand même. Ouais. Aïe. C'est pas possible, hein. C'est moi qui vous le dis là. J'ai commencé à avoir envie d'aller aux toilettes, c'est un truc de fou, hein, donc c'est trop que je vais partir pisser en pleine vidéo. Non mais c'est pas. Au début elle devait durer 20 minutes, pas 2 heures. Bon bah tous ceux qui regardent jusqu'à là, je m'excuse de mon manque de skill. Parce que il y a un truc. C'est pas possible. Bon, ce qu'on va faire, c'est le dernier essai. On va y aller. Avant de lancer le boss, on se soignera entièrement. Voilà. Et je pense qu'on pourra tenir plus facilement parce qu'il y a un truc qui. Il y a un problème, hein. Il y a une couille dans le potage, là. Parce qu'il y a des trucs qui se passent et. J'ai jamais vu ça. Jamais vu. Un mec qui recommence 4 fois ce boss, jamais vu. Oh, une arme médicinale. Ça peut être pas mal, ça. Non, non, ce qui se passe là. Je dois dire que c'est un petit peu problématique. C'est un petit peu honteux aussi. Alors, on va mettre ça sur Yangus, comme c'est l'uranium médicinal, hein, au cas où que mon héros crève avant lui. Ce qui est fort possible. Ah ouais, putain, il va falloir que j'y aille avant la fin de la vidéo là, d'aller pisser. C'est un truc de fou, hein. Excusez-moi du terme, hein, mais c'est le cas. Il va falloir que j'aille zipper une coup avant la fin. Et je vais pas faire d'ellipse parce que pour relancer, c'est chiant. Enfin, c'est chiant, c'est juste que je préfère faire en un truc. Si je vais, ce sera. Je couperai pas quoi. Oui, je suis un fainéant. Vous pouvez le dire. Pas de problème.
Allez, hop, on est pressé là. J'aurais perdu plus de sous en crevant que de sous que j'ai dépensé. C'est-à-dire, ben, j'ai perdu plus de sous en faisant des fights, je sais pas si on peut le voir, qu'autre chose. Monstre, mais non, pas monstre. On laisse tomber ce menu, m'énerve. Hein. C'est bon, non, casse-toi. Casse-toi. Hein, vous voyez, j'ai gagné 518 or en combat, j'ai dû en perdre 430. Voilà. Bénéfice 80. C'est assez hallucinant quand même. Hein. Je sais pas si vous rendez bien compte là, mais. Ah ouais, ils attaquent dans la vie là. Ouais. C'est comme ça, hein, ça fait une heure de vidéo qu'on fait, bah, c'est la première fois que je le vois. C'est bien, hein. On en apprend. Hein. Vous voyez, vous avez bien fait de rester jusqu'à là, on a découvert quelque chose d'autre. Les monstres, quand ils ont une pulsion, ils peuvent t'attaquer, tu vois. Voilà. Alors. On continue, hein. Allez, c'est parti. Ça va être beau. Très beau, même. Il ne faut pas m'en vouloir. Hein. Je vois déjà les commentaires. T'es nul, t'es nul. Non, parce que j'avais envie de la faire durer, la vidéo, vous voyez. Non, en vrai, c'est je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe, c'est tout. Ne vous inquiétez pas. Hein. C'est pas fait exprès. Voilà, regardez, la patate aux pieds, ils ont envie de m'attaquer eux aussi. Hein. Ah voilà. Bon, on va peut-être y arriver, hein. Une masse. Ouh. Allez, je vous parie un Kinder Bueno, que c'est la même qu'on a sur notre Yangus. Voilà. C'est la même. J'ai gagné un Kinder Bueno, ouais. Bon, bon, bon. 1h20. Passé. Toujours pas fini. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, ouais. Un bon record pour l'académie. Heureusement que je suis partenaire, j'ai tout ce qu'il faut pour mettre plus de 15 minutes. Hein. Je m'attendais à faire 15 minutes dans la vidéo, là j'étais là mort. Hein. Allez hop. Moins 3. Moins 4, fini. Eh ben au moins. On aura fait cette grotte. Hein. J'en dis pas cette grotte pour changer un peu. Merci aux gens qui regardent cette vidéo entièrement. Ils sont courageux. Bon, il n'y a toujours pas de coffre. Hein. Ils vont pas apparaître. Hein. Un petit combat, ça faisait longtemps. Un petit oh, un petit rouage gorge, hein. Ça faisait longtemps aussi. Ah hein. Oh, mais celui-là était rapide combat quand même. Là, pas mal. Bon. Non mais que ça dure une heure, je veux bien. Mais 1h30. On va arriver à l'heure 30 là. Pour une vidéo qui au début devait faire 20, 25 minutes, 30 minutes max. C'est assez hallucinant, je dois dire. Ce qui se passe là, c'est hallucinant. Hein. Voilà, ils ont envie de taper en premier, hein, les gilets. Voilà, moins 3. Allez, retape-moi, s'il te plaît. Voilà, un petit moins 2. Allez, retape-moi mon héros, s'il te plaît. Merci, moins 3, moins 2, voilà. C'est la fête. Allez, un petit coup de boomerang, tink. Voilà, moins 4. Voilà, moins 0, moins 1. J'ai n'importe quoi. Voilà, concentre-toi, j'en ai rien à faire. Voilà, tchatot, t'es mort, fais pas chier la bête. Tac tac, voilà. Fini. Bon, on va dire n'importe quoi, on va se concentrer là pour aller au boss parce que. Niveau 7. Quand je vous dis qu'on sera niveau 10, on va y arriver. Force plus 4. Ouais. Voilà, on continue. Je sais que vous aimez bien les vidéos longues, mais à ce point-là. Mon record c'est 2h38. Et sur le jeu en question c'était Pokémon et j'avançais, tu vois. Là j'avance pas, c'est ça le problème en fait. C'est que là je reste au même endroit, je suis coincé. C'est ça la différence entre les deux. Oh, des pataupes, un corps. Je ne tue personne. J'en ai tué personne. Putain, moins 32.
Allez, on mitraille X parce que je crois que là c'est 2 heures. Hein. Allez, maniez-vous d'attaquer là. Oui, t'es content, moins 2, allez, casse-toi. Dans le vidéo, je préparerai un petit peu quand même. Genre, j'aurais pris 5 levels avant. Avant, j'aurais changé tous mes stuff et tout, tu vois. Pour pas y passer 20, 40 ans encore parce que bon. C'est assez hallucinant, hein. Si je vous faisais tous les donjons, on y passerait 6 heures par donjon. Notre ami gluant tout droit, vous allez voir, regardez un petit peu à gauche là. Oh, un gluant, je l'avais jamais vu. Quelle ironie. Aïe 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 aïe. Putain, il a esquivé. Tiens, j'esquive pas celui-là, la bouteille. Il va pas esquiver tous les coups pour moi quand même. Si. Non, vous imaginez si j'étais tout seul, Yangus serait mort par exemple. Ce serait un combat épique. Ouais, niveau 7. Wouhou. Ah, des fois ça donne 2. Voilà. Il apprend les techniques. Parce qu'il est équipé d'une épée. Une herbe médicinale, ok. J'ai pas tout lu, mais à mon avis, quand j'ai équipé, j'ai une nouvelle capacité. Là. Voilà. Donc bientôt au boomerang, tu vas dire ça. Enfin, ça augmente l'attaque de 5 plutôt, voilà. Pas la capacité. Bon, et si on y arrivait là, ce serait pas mal. Ça fait pas 15 minutes, ça fait pas 20 minutes, ça fait pas 30 minutes, ça fait 1h30, bientôt. On tape le boss, on tue, on regarde le truc, après on arrête là, je vais pas vous faire une vidéo. Mais si, danse aussi, hein, c'est pas le moment les mecs. Voilà, et de 1. Boum, 2. Je ne commente pas ce qui se passe. Je ne dis rien. Voilà. On va y arriver au boss. Vous inquiétez pas. Cette fois, c'est la bonne. Je suis sûr que même en vidéo, vidéo condensée, j'arriverai à faire une heure de vidéo condensée. Un corps des diables dansant. Ou moins 4. Ou 2. Attention. Voilà, ils esquivent, c'est bien, c'est chouette. Ça... Je voulais passer plus de temps dans ce combat. Oh putain. En plus j'ai des... Je sais pas, j'ai une ébouchée. C'est abusé ça aussi, hein. On se soignera avant d'y arriver. Oui, il faut que j'y pense. Soin. Je dois me soigner. Avant d'y arriver. Je suis en feu fou, lui. Je crois qu'il m'a emmerdé. Hein. Bon, et de retour. Hein. Et de retour. On y est. Alors. Si je meurs par contre je quitte, j'arrête YouTube, hein. Non je rigole, j'arrête la vidéo. J'arrête YouTube avec ça. Oh j'ai perdu, c'est bon, ça compte de YouTube ça. Allez, oh, on est reparti. Oui, on tend le bras. Je vais encore prendre, voilà. Coucou, ça fait 3 fois que je te tue. Allez, on recommence. Pas utiliser de sort, j'ai pas une astuce pour boomerang. Non. Elle attaque, voilà, moins 15 toujours. Voilà, il va m'attaquer, brouillard maudit. Voilà, Yangus est con, voilà. Pauvre Yangus, eh. Voilà, ça fait moins 30. Voilà, moins 42. Allez, moins 20. Ça fait moins 42 sur lui, go. 42. 56. 68. Je sais même pas si c'est vrai ce que je dis en plus. 68. 81. 81 ça fait. Donc dans ce tour il est mort. Ça fait 81. Mort. Bon, bon ben 96. 109. 109. 109.
109, 122. Alors 122, hein. 122, j'ai dit. Alors ça fait 144, 134. Ouais. Alors 134. 148 toujours, 148, 162 et 173. Bon bah c'était pas 100 PV, hein. C'était pas 60, c'était 173. On a gagné du premier coup. Non ? Bon. Comment tu ne comprends pas de quoi tu parles? Ce n'est pas pour rester cette boule de cristal. Non. On va lui dire qu'un château appelé Trodin. Oui, c'est nous. Bon. Spoil, spoil. Je vous laisse cinématique. Voilà, c'est donc un château qui a été ensorcelé. Et il y avait ben, le truc vert avec nous, c'était un roi, et le cheval, c'était la princesse. Hein. Et nous, donc, on est un garde de la... Enfin, un soldat de la garde royale. Ça, c'est nous. Peut-être reste la défaite. Bon, ben voilà. Bon, je devrais profiter à ces bouts de 18 ce soir. Interdiction de jeter des objets dans la cascade. Ok. Bon, ben voilà. J'espère que cette vidéo de Dragon Quest vous aura plu. Si vous n'hésitez pas à me dire par commentaire, moi je vous dis bye et à la prochaine. Salut tout le monde.